Cocteau Ubohu, c'est le chaos originel. C'est aussi le bruit que fait Dieu dans les textes pour lorsqu'il crée le monde. Cocteau Ubohu est une exposition sur la recherche du bonheur, en réalité. Et elle s'articule en fait en treize triptyques qui font référence à la passion du Christ, aux treize stations. Et en ça, elles font référence à un parcours. Moi, mon travail a toujours été... le thème de mon travail a toujours été l'évolution. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le monde animalier au départ, les stratégies d'adaptation. J'ai fait une exposition qui s'appelait Nature vivante, sur laquelle j'ai travaillé longtemps. Là, j'ai abordé l'histoire de l'humanité à travers la Bible. Et je l'avais déjà fait en 1996 à travers une exposition qui s'appelait L'instinct du désir. Là, Cocteau Ubohu prend plus de liberté par rapport au texte, en réalité. Ça raconte l'histoire de l'humanité dans son ensemble à travers donc, les textes bibliques et aussi celle d'un individu, celle du spectateur, de l'artiste. Et donc, c'est l'histoire des petites morts et des renaissances que l'on a au cours de sa vie et comment, finalement, celles-ci nous font évoluer et nous améliorer, on l'espère.